Salut à tous les amis, c'est Neyo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis sur Menoria. On continue le let's play et dans cette vidéo on va tout simplement utiliser un cheat sur Menoria. Et oui, vous m'avez beaucoup entendu dire dans le let's play, oh ce mec là ça se voit l'autoclic, ma dura est partie super vite, que ça soit dans toutes les vidéos ou bien même surtout dans la vidéo tournoi. Et dans cette vidéo je me suis dit pourquoi pas moi aussi à mon tour tester d'autoclic comme ces mauvais joueurs. Du coup vous allez voir, on va tester l'autoclic et vous verrez que ça fait évidemment la différence, hein. Vous allez voir, je vais tuer pas mal de gens, à la fin ça va partir en vrille, on va sauter dans les trappes, etc. Enfin, j'espère que ça vous plaira. Je vous affiche à l'écran le gagnant du grade d'emploi de la dernière vidéo. Bien joué à toi, je vous en remets en jeu dans cette vidéo. Donc, pour participer, c'est très simple, tu t'abonnes, tu likes et tu commentes la vidéo avec ton pseudo. J'avais déjà fait ce genre de vidéo à l'époque où je testais des cheats, etc. Donc voilà, dites-moi si ça vous fait plaisir que ça reprenne. Et dans cette vidéo, on se pose pourquoi pas un objectif de 250 likes pour que je vous drop le pack de textures et en plus, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas le commentaire et l'abonnement pour le référencement, ça me ferait super plaisir. La bibis des refs, c'était Neyo, bonne vidéo. Juste avant de passer à la vidéo, les frères, je tenais à vous dire de rejoindre mon Discord qui est simplement en première ligne de description, vous le retrouverez aussi dans les commentaires épinglés. Mais voilà, sur le Discord vous retrouverez donc des concours, les annonces des vidéos et vous avez surtout désormais le pack journalier. Voilà, c'est un channel dans lequel vous retrouverez un channel avec les packs des vidéos. Voilà, ça sera tout simplement quand les objectifs de like seront atteints pour les packs de texture. Et ensuite vous avez le pack journalier. Voilà, donc ici tous les jours je mettrai tout simplement un pack. D'ailleurs aujourd'hui il faut que je mette le pack et voilà, en gros n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ok les frérots, on est parti directement. Donc là j'ai un autoclic qui s'appelle le Aisti. Donc à mon avis ça doit être un point exé, comme il en existe des dizaines et des centaines les frères. Donc là on est directement dans la case autoclic et reach. Alors juste ici écrit no supported Minecraft version found, only autoclicker will work. Ça veut dire à mon avis ça c'est aussi pour les vanilla. Et en mode en vanilla on pourrait activer tout le reste qui est par exemple la reach. À mon avis on peut aussi activer le scropot. On a aussi ici name tags qu'on peut augmenter. Je pense qu'on a pas mal de trucs qui sont aussi activables en vanilla, mais que là on peut pas activer sachant que on est juste sur un modé. Ah, on a la couleur qu'on peut changer aussi, c'est plutôt sympa ça. Je vais le mettre en violet, tiens. Tous les gars, l'autoclicker, on l'a mis simplement à 14 CPS. En vrai, je pense qu'on peut pas plus sur Menoria parce que comme vous le voyez, là je reste appuyé sur ma souris, je clique pas et on le voit en haut à droite, je suis à 11-12 CPS. Je pense qu'il y a un bloqueur de CPS sur Menoria. Voilà, attention, à tout moment je vais me faire ban dans cette vidéo, mais on va essayer de TP avec l'autoclic, voir si je suis meilleur avec ou si je suis meilleur sans. Et moi je vous le dis, à tout moment je suis meilleur sans l'autoclic, les frères. Du coup, voilà, hop, je vais directement le fermer, les frères. On va directement se remettre dans le jeu et en espérant que ça fasse un petit massacre. Ok les frères, c'est parti, je vais commencer le duel contre ce mec. Là en fait l'avantage de l'autoclic je pense les gars, c'est que je vais pouvoir me concentrer sur mon clic droit pour parer l'épée et je vais aussi pouvoir me concentrer sur l'aim. Donc ça va être quelque chose de plutôt pas mal. Je pense que c'est, en vrai les gars, ceux qui arrivaient à perdre contre moi avec des autoclics, ils étaient vraiment naze. Là les gars il a du méno sur lui, si j'arrive à le tuer ça serait franchement pas mal. Voilà, on va essayer de le tuer. En vrai les gars, honnêtement là il a un stuff un peu bizarre, je pense qu'il trappe ce mec là. Je pense sincèrement qu'il trappe, mais franchement c'est trop fort l'autoclic, hein, la vie de ma mère, ça fait une dinguerie. Ok les frères, on est parti pour le fight, on va retester un petit peu l'autoclic sur ce mec. Je pense que franchement ça va être un peu abusé, mais on va voir. Hop, il m'a repassé un donut, c'est plutôt sympa. C'est parti les frères, il avait pris une invie pour fight d'autres mecs, du coup j'ai toujours l'invie. Ah par contre il a une K2, c'est un peu chiant je crois. La K2, c'est horrible, c'est horrible. Ok les frères, on est parti cette fois-ci vraiment pour le 1v1. Je lui ai donné une autre épée qui n'est pas K2. C'est parti, on va essayer de le fight un petit peu. Là les gars, en vrai, avoir un autoclic, je vous dis pourquoi c'est extrêmement cheaté. Parce que déjà, tu peux te concentrer sur le S-tap sans avoir à cliquer. Parce qu'en fait, le problème, c'est que faire un S-tap quand tu dois viser, cliquer, etc., c'est un peu compliqué. Là, j'ai juste besoin de S-tap, rien besoin de faire d'autre, les gars. Genre, j'ai rien besoin de faire d'autre, j'ai juste à viser et à S-tap. Donc c'est super facile. Hop, vous voyez. Je peux même faire des clics droits, etc. Non, c'est trop fort de cheat. Regardez mon niveau avec un cheat. Imaginez si j'autoclique contre tous les mecs qui autocliquent. Bah, je les quick drop, frère. Je les quick drop carrément. Je suis trop fort, frère. Imaginez mon niveau si j'autoclique contre tous les mecs qui font les malins contre moi. Mais gros, mais je les arrache. Alors si je mets le même cheat qu'eux à chaque fois, je les arrache. En vrai, les gars, je l'ai arraché, hein. Je l'ai arraché, ils ne pouvaient rien faire, frère. C'est vraiment beaucoup trop fort. What the fuck, les gars. Ok, les frères, c'est parti. On va avoir un cheval PVP. Let's go, here we go, Mario. Et on est parti, les frères, directement. On va voir ce que ça donne contre ce jeune homme avec l'autoclic. Ok, pour l'instant, il a réussi à me prendre le premier coup alors que j'auto. Attention, peut-être qu'il a un autoclic, le frérot. Hop, les gars, on est parti. On va essayer, hein. On va essayer. Là, on a un stuff exo-ombre, donc on prend beaucoup moins de dégâts qu'avec le stuff en ombre. Ok, donc à mon avis, il cheat aussi. Parce que là, je n'arrive pas à le toucher alors que je cheat aussi.
C'est un peu louche cette histoire, si vous voulez mon, mon vrai avis de professionnel sur le jeu. Par contre, je sais pas si vous remarquez, quand on autoclique, je sais pas si vous pouvez comparer avec les anciennes vidéos, je, j'ai l'impression de faire beaucoup plus de particules. Genre, il y a beaucoup de coups qui se mettent pas, je sais pas si vous voyez. Ça fait des particules un petit peu dans le vide. Je sais pas si ça se voit vraiment à l'écran en fait, mais en tout cas, je vous le dis, voilà, il y a des particules dans le vide là, c'est certain. Parce que du coup, ça fait beaucoup de particules. Ça, c'est aussi un truc des autoclics, hein, on le sait déjà. Allez, on va la voir. Allez, allez. Allez, ok, je fast spot. Ok, donc ça va pas marcher. Hop, on va se heal ici. On va essayer de le drain un petit peu. En vrai, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. J'ai vraiment l'impression sur Menoria que ça se joue vraiment à celui qui a le premier coup dans le combo qui peut tuer l'autre en fait. Hop, on va faire ça, les gars. Hop, il y a une heal par terre, c'est plutôt sympathique. Pour l'instant, j'ai carrément l'avantage en vrai, mais bon, encore heureux, j'ai envie de vous dire, j'ai un cheat. Si je perds avec un cheat, les gars, ça sera un peu la honte. En vrai, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien, les gars. En vrai, on s'en sort bien. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a du monde autour. Là, cheval, je lui ai dit que je lui rendrais son stuff si jamais je le tuais, parce qu'en vrai, j'en ai rien à foutre. Ah bah, les gars, il y a mon réveil. Il est midi et demi, il y a mon réveil qui sonne. Attends, il y a mon réveil qui sonne. Hop, c'est bon, le réveil est éteint, les frères. J'ai réussi à me réveiller avant le réveil. Je suis chaud, hein, vous avez vu. Apple, je vais reprendre des heals et on est reparti, les frères. Franchement, là, il me met la pâtée depuis 2 secondes, là. C'est parce que je suis plus concentré dans le duel. Heureusement qu'il m'a pas capé parce que j'étais en cooldown de perle. Ça veut dire que je serais mort, je pense. Là, il est en cooldown de perle. En fait, en Warzone, les gars, il y a des cooldowns de perle. C'est pas comme derrière les AP où il n'y en a pas du tout. Ah, il y a Volrod. Volrod, mon ancien modérateur Discord. On va essayer de le tuer là. En fait, c'est compliqué de quick drop avec ce stuff. C'est un peu bizarre comme stuff, les gars. Les gars, vous savez quoi? Je vais prendre une petite pomme de Diza. Hop, on va essayer de voir ce que ça peut donner. Là, normalement, j'ai force 3, les frères. Plus l'autoclic. On va voir ce que ça donne. Il m'a dit, tu fais moins le malin là. Bah, en vrai, depuis tout à l'heure, je l'arrache. Là, il a repris peut-être un tout petit peu l'ascendant, mais depuis tout à l'heure, je l'arrache. Là, les gars, j'ai force 3. Normalement, je devrais pouvoir le tuer assez facilement, incessamment sous peu, les frères. Mais en vrai, la force 3, là, elle fait pas d'effet, hein, frère. Sur un stuff exo-ombre, la force 3 n'a aucun impact. Zero impact, bro. Genre, en vrai, c'est triste. Et là, j'ai plus l'effet de force, donc il va falloir que je reprenne un 2 notes. Hop, on est reparti. Hop. Merde, tous mes heals, elles sont passées de l'autre côté. Ouais, je panique là carrément, les gars. Je sais pas c'est qui a l'avantage en vrai. Je pense que je l'ai quand même un petit peu. Le truc, c'est que j'ai peut-être un peu plus de perles, j'ai peut-être un peu plus de ceci, j'ai peut-être un peu plus de cela. Il y a moyen que le fait que j'ai 50 000 trucs dans mon inventaire, ça ne mette pas, quoi, disons-le. Il y a moyen que ça ne mette pas. Ok, pour l'instant, j'ai l'avantage. Allez, ça se passe bien là. Oh non, il a réussi à grab ma heal, je crois, pendant qu'il volait un petit peu. Hop. Ok, les gars, j'ai grave l'avantage là normalement. Normalement, j'ai grave l'avantage. Hop, on va le punch, on va se gapple. Allez, les gars, pour l'instant, on a l'avantage, faut qu'on le garde. Après, les gars, vraiment, j'aime pas trop PvP avec ces stuff parce que je vous dis la vérité. Il prend pas assez de dégâts pour moi. Ok, là, il a pris un vrai combo. Là, il prend des vrais combos. C'est parti. Non, moi, je veux te tuer. Ok, les gars, c'est parti. Cheval, il a eu un casque, normalement, là, de la part de Sednix. C'est plutôt sympa. Puisqu'il avait 5% de batterie sur le casque. C'est parti, les gars. On va finir le 1v1. Normalement, je devrais l'avoir. Là, il full gap comme ça. C'est qu'il a plus de heal, les frères. Par contre, ma perle, si elle voulait bien partir, frère. Allô, la perle. La perle qui voulait pas y aller, hein. La perle, elle était pas déterminée à y aller, les frères. Ok, là, il a full pot lag et tout. Là, ça devrait être la fin pour lui, les frères. Hop, il me reste encore vachement de potes. Ok, attends, il lui reste des potes aussi, un peu, hein, j'ai l'impression. Hop, on va l'aggro un petit peu. Il y a un cooldown de pomme. En vrai, c'est dommage qu'il panique parce que là, il avait encore des potes, hein, en fait. Je pensais qu'il en avait plus du tout, mais il en reste quand même encore un peu. Hein. Là, il a un cooldown sur les pommes. Donc, normalement, il pourra jamais réussir à me tuer. Hop, les gars, et on l'aura eu. Et Volrod qui a perle sur le stuff, c'est dommage. Volrod, t'es toxique, mon frère. Frère, il y a 2 gars qui sont en train de faire leur trap. On va y aller. Oh merde, je les ai pas en ennemi. Merde, les gars, il y a un problème. Sachef ennemi, ralouf. Ok, les gars, il a failli avoir une galère là. Je crois que je les avais pas en ennemi et tout. Ça a failli partir en vrille. Carrément, là, il est là, les gars. Il va mourir. En vrai, je vais essayer de le tuer dans sa trap. Ça serait incroyable d'arriver ici. J'ai l'impression de laguer un peu ici, les gars, mais on va le suivre. Hein. La vie de ma mère, on va le suivre. Ouais, il est là, je suis en train de le taper. Je sais pas s'il a pris pump cheat. Il a pas pris de pump cheat, je crois. Ah, son pote t'a enfermé et tout. Ah non. Je peux toujours passer par là, les gars. Est-ce que leur trappe, elle est ouverte ici? Alors, je crois que leur trappe est ouverte, les gars. Je suis dans leur système redstone. Regardez. Je suis dans le système redstone, là. C'est-à-dire que là, est-ce que je peux accéder à leur trappe? Bon, Halouf, il est revenu, les gars. Faut lui péter la gueule maintenant. Ok, c'est parti. On va l'arracher. Il est revenu dans sa trappe, les gars. Carrément, aller l'arracher, là.
Là, le frérot, faut aller l'arracher. Ah mais non, mais il y a Sednix qui s'est mené à la bagarre. Ça, c'est un peu un problème, ça. Faut le tuer, les gars. Je crois qu'il a pas de, il doit pas avoir d'antichute là. Il a pas d'antichute, je crois, les gars. Il a pas d'antichute. Là, les gars, il y a un petit problème, c'est que je suis tombé dans une autre trappe à lui, à mon avis, à Ralouf là. Et ça va juste être horrible parce que je vais jamais pouvoir me heal. En plus, ça bug de fou, frère. Oh là là, les gars. Oh là là, ça va être la merde. Ça va être la merde. Là, faut focus Ralouf. Hop. Là, les gars, on va avoir un petit problème. Mais non, mais pourquoi je me focus par l'autre aussi là? Là, je suis sous force 3 en vrai, les gars. Donc normalement, je suis censé les arracher. Là, je vais les tryhard, hein. Je suis sous force 3, les gars, ils peuvent rien faire normalement. Ralouf, là, il est dans la D, hein. Il est dans une D monstrueuse. Ah, mais attendez, mais ils sont juste plusieurs, là, en fait. Là, c'est la D. Là, les gars, je suis sous force 3. Normalement, lui, là, par exemple, je pourrais le tuer, là. Hop, les gars, je vais gapple contre le mec. Je vais devoir reprendre ça, mon donut. Faut que je l'ai cessé, là, mais les gars, ça va être compliqué de survivre, là, je vous mens pas. Si ça PC aussi, alors qu'ils sont en 2v1, je vais être dans la grosse D intégrale, là. Je le coup critique de loin, en fait. Le truc, c'est que vu que c'est leur AP, ils peuvent se heal et tout. Lui, il va vouloir back, c'est le moment. Let's go, je suis avec lui, les gars. En vrai, là, je suis trop bien, hein. Là, je suis trop bien. Je suis peut-être enfermé dans leur truc. Ah, mais attendez, mais ils sont pas de la même fac. Oh là 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 là, qu'est-ce qui est en train de se passer, les gars. Là, les gars, faut que j'aille avec lui, là. Lui, faut que j'aille avec lui. Attendez, mais il est revenu, lui, mais il a un problème mental, hein. Lui, il a un problème mental, les gars. C'est un mec, il est bourré, hein. 24-24, il est bourré, hein. Je sais pas ce qu'il fait. Il va pas me cheat, là. Ah, c'est une pas me cheat, ça. Ça, c'est un problème, ça. Ça va être un petit problème, les gars, je vous mens pas. Pourquoi c'est moi qui focus? Il a un problème mental, hein. Les gars, faut juste jouer avec ses couilles à lui, hein. Les gars, faut juste jouer avec ses couilles à lui. On va gapple. Ça va le baiser, les gars, ça va le baiser. Go l'enculé maintenant, c'est parti. Ton pote y revienne. Oh non, là ils nous ont bien baisé. Go tape à travers, les gars. What? Il a tapé un full méno? Allo? Un full méno? Va falloir back, les gars. Sinon on est mort. Hein. Mais là, je suis finito là, les frères. Ils nous ont anti-TP et tout en plus. Ah non, mais alors là, on est fini là. Ah, on est mort. Ah mais les heals elles se mettent pas, c'est trop toxique leur trap, je comprends pas comment ça marche. Ok les frères, petit résumé de la vidéo, voilà, donc l'autoclic est plutôt pas mal, en vrai c'est plutôt sympa en fight etc, mais évidemment vous vous ferez bannir hein, si jamais vous l'utilisez, là j'ai fait des logs etc, mais du coup ils m'ont pas banni pour la vidéo, mais du coup voilà, faites attention quand même, ne l'utilisez pas, voilà, c'était juste pour faire une vidéo, voir un petit peu tous les joueurs qui l'utilisaient, voir ce que je pouvais faire avec, et bah autant vous dire que c'est plutôt fort, mais c'est pas non plus intuable, c'est à dire que les mecs qui ont des autoclics ne sont pas intuables, de toute façon on l'a déjà vu dans mes vidéos. J'ai déjà tué pas mal de gens qui avaient des autoclics hein, et ça c'est tous les jours les frères, parce que malheureusement aujourd'hui tout le monde autoclic, du coup voilà, c'est beaucoup plus simple de PvP avec un autoclic parce qu'en fait à la différence c'est que vous n'avez pas à, enfin vous avez justement qu'à vous concentrer sur votre aim et donc c'est vraiment beaucoup plus fort parce que bah, ça clique tout seul, vous concentrez sur là où vous visez et c'est plus simple que de cliquer et d'en même temps se concentrer sur là où on vise. Bref les frères, c'était Neyo, en espérant que cette vidéo vous ait plu, n'oubliez pas l'objectif des 300 likes à la Bibis, c'était Neyo et on se dit normalement à demain ou à après-demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne à la Bibis les refs, c'était Neyo, à plus.